Alors, là, vous voyez, je suis arrivée au rang 27. Je vais le démarrer. J'ai fait mon rang 26. Donc là, à l'intérieur, on a ça. C'est normal, hein, puisque je n'ai pas coupé mes fils. J'ai bien laissé du mou pour pouvoir le rembourrer après, que ça ne tire pas trop. J'ai suivi leur modèle. Après, eux, c'est hyper régulier. Moi, je ne comprends pas trop. J'ai vraiment suivi et effectivement, c'était, ça fait ça. Bon. C'est selon leur modèle. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est comment on fait les diminutions. Vous avez dû voir à partir de rang 27, on dit une maille serrée. Donc, on va faire notre maille serrée. Classique. Et après, crocheter deux mailles ensemble, deux MS ensemble. Après, vous aurez régulièrement crocheté 2 MS ensemble parce que là, on va diminuer notre tête. Donc, on va rapetisser là. De manière à fermer notre tête. Donc, je voulais voir avec vous la technique pour les deux mailles ensemble. On va prendre le brin avant de la maille et le brin avant de la deuxième maille, comme ça. On va faire un jeté, on va passer au travers et on va faire un jeté et passer au travers des deux. Ok? Alors là, il faut qu'on en fasse qu'une après ces 13 ms, mais je vous remonte juste pour que vous voyez la technique. Donc, brin avant de la maille serrée d'après, jeté, on passe au travers, jeté et on passe sur les deux. Ok? Donc, celle-ci, je la défais parce qu'on n'avait pas besoin de la faire. Vous avez aussi, avec une laine plus grosse, le tuto sur les diminutions, augmentations, si vous avez besoin. Voilà, donc là, on peut terminer notre tête. Tranquillement. Alors, on se retrouve à présent pour faire le museau. On prend le fil blanc, on fait sa boucle de montage. Classique. Hop, on tire. Et on va faire deux mailles en l'air. Une et deux. On va faire 6 mailles serrées dans la boucle de montage. Donc, vous voyez où je pique vraiment ici. Voilà, première maille en l'air en fait. Alors on en fait 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, on va tirer sur sa boucle de montage pour resserrer. Vous pouvez comme d'habitude faire la petite maille coulée à la fin. Moi, je la fais toujours pas. Je prends mon stop que je mets dans ma dernière maille. Voilà, donc moi, j'ai pas fait de maille coulée, donc je vais pas faire de maille en l'air. Et maintenant, 6 fois 2 ms, vous êtes expert, vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire que dans chaque ms du rang précédent, on va faire 2 ms et on va le faire 6 fois dans les 6 mailles serrées du rang précédent. 1 et 2 et à chaque fois on va faire 2 ms. Ok? 2 mailles serrées. Après ça ne présente pas de difficulté particulière. Après on fera 2 ms puis 1 ms à chaque fois. 2, 1, 2, 1, 2. Jusqu'à la fin. Et après 5 ms. Donc dans les 5, 1 ms dans les 5 ms qui se suivent et après 2 mailles serrées dans la sixième du coup ms et après 21 ms donc ça veut dire qu'on fait deux rangs les 5 et 6 où on est toujours à 21 ms. On se retrouve quand c'est fini. Alors j'ai fini mon museau, j'ai fait un triple nœud ici et j'ai coupé et j'ai bien serré avant pour pas que ça se réouvre. Là, j'ai coupé mon fil assez long parce qu'après, il va falloir que je le couse sur le visage. Donc, j'arrête mon fil, je fais une maille coulée. Hop. Voilà. Et je le mets de côté, je le retourne. Voilà donc à quoi va ressembler mon museau. Sur mon museau, du coup, je vais mettre mon nez. Alors, le nez, on va prendre le fil rose, on fait notre boucle de montage. Classique, hop, on tire. Alors attention pour le nez, c'est comme pour le nez de tous les autres animaux qu'on a fait avant.
Faut pas trop serrer. Je vais pas faire 7 jetés parce que sinon j'arrive pas du tout à sortir mon crochet. Faut vraiment crocheter hyper. D'ailleurs là j'ai fait une bêtise, j'ai serré ma boucle de démarrage. Il vaut mieux la laisser un peu lâche. On fait une maille en l'air. Hop. Et après ils disent de piquer 7 fois. Le problème, c'est que si on fait 7 fois, en fait. On va jamais réussir à. Enfin, moi, j'ai jamais réussi, donc je fais 4 ou 5 fois en général. Alors, on fait un jeté, on pique dans notre boucle de montage qui ne doit pas être serrée, donc je l'ai bien desserrée. Hop, jeté, je resserre. Et là, vous voyez, j'ai une petite bride de laine qui s'est dédoublée, donc faut vraiment pas avoir de friction. Quand vous passez, ce qu'il y a, c'est que la laine se dédouble un peu. Donc, tac, jeté, on sort. Jeté, jeté, on sort. Attention à pas trop serrer. Jeté, je pique dans la boucle. Jeté et je sors. Voilà. Donc, moi, je vais en rester là parce que sinon, par expérience, j'arrive pas à le sortir. J'ai pas du tout serré. Jeter, et là il faut que je sorte complètement mon crochet, et c'est déjà un peu galère. Non, j'ai perdu ma laine. Vous voyez pourquoi je vous dis, allez, on recommence. Donc vous allez aussi sans doute recommencer plusieurs fois. Prenez une bonne longueur pour faire votre boucle. On ne serre pas trop, laissez bien de la longueur. Une maille en l'air et après on pique. Jeter, hop, jeter, on pique et on ressort. Jeter, hop, jeter, on pique, on ressort. Voilà, j'en fais un dernier. C'est vraiment pas évident, évident. Hop, voilà. Et là, jeter, on va essayer d'y arriver cette fois-ci. Voilà, je l'ai presque, j'y suis presque. Il m'en manque un, donc ça devrait le faire. La première. Hop, voilà. Et là, après, on peut serrer sa boucle de montage. Voilà, après, vous serrez. Donc, j'ai un petit nez, mais en même temps, ah, c'est flou sur la caméra, elle n'arrive pas à faire la mise au point, ça y est. J'ai un petit nez, mais en même temps, si je fais plus gros, c'est pas évident. Donc, on serre. Là, on va pouvoir couper son fil. On le passe. Donc, je montre bien parce que sur la vidéo précédente, apparemment, on ne voyait pas assez bien. Ah, il a du mal à faire la mise au point. Là, c'est peut-être ma main qui gêne. Donc, j'ai coupé. Je vais passer là, dans ma boucle initiale, mais je ne vais pas serrer. Vous voyez? Hop, je fais juste comme ça. Voilà. Et après, pour le montage, on verra, on s'arrangera pour cacher cette bride-là. Pour l'instant, on laisse comme ça notre nez. Hein, on verra après au montage. Donc, on va le mettre sur notre. On le coudra ici et je me servirai de ça pour faire la bouche dessous. Ok, et ça, du coup, on s'en servira pour coudre le nez et on le cachera à l'intérieur du museau. Voilà donc notre nez. Vous pouvez faire un nez plus gros, hein, 8 fois avec 7, si vous y arrivez. Moi, j'ai trop galéré. Je trouve que comme ça, du coup, de toute façon, ça suffit. Voilà, on se retrouve pour la suite. Alors, à présent, on va faire l'extérieur de l'oreille. On prend son fil noir, on fait notre boucle de montage. On serre et on va faire nos 2 mailles en l'air. 1 et 2. Et on va piquer 4 mailles serrées dans la première boucle ici. Et on va faire 1, 2, 3 et 4. Voilà, j'ai placé mon stop comme à chaque fois.
Très bien. Et je tire ma boucle de montage. Comme d'habitude, vous pouvez faire la maille coulée si vous voulez. Moi, je ne la fais pas. Si vous faites une maille coulée, dans ce cas-là, vous commencez votre rang d'après en faisant une maille en l'air. Deuxième rang, on va faire, ils disent une fois 2 ms et 2 ms. Ça veut dire une fois 2 ms. Maintenant, vous avez l'habitude. Ça veut dire que dans la maille serrée, vous faites 2 mailles serrées. Donc, un et une deuxième au même endroit. Et après, hop là. Et après, deux, c'est ce qu'ils disent, non, une MS. Une fois 2 ms, une MS. Donc, ça veut dire là, j'en ai fait deux dans la même. Et maintenant, je vais faire une. Alors, avec le noir, c'est vraiment compliqué. Je ne vois rien. Je pense que vous non plus à la caméra. C'est un peu dommage. Une. Donc une MS dans celle d'après. Et celle d'après à nouveau 2 ms. Une et deux. Donc je pique bien sous les deux bras, hein, parce qu'il y en a pas mal qui avaient des soucis parce qu'elles piquaient entre les bras. Mais on pique bien sous les deux bras. Et une sur la dernière. Une. Donc on se retrouve avec 6 mailles serrées. À la fin du deuxième rang. Et le troisième rang, on va faire pareil. Une fois 2 ms, une ms, toujours pareil. Donc, prochaine maille serrée, je fais 2 ms, 1 et 2. Et après, une ms. OK? Vous voyez, l'oreille, l'extérieur de l'oreille ne présente pas de difficulté particulière. Donc on va continuer comme ça, il n'y a pas de difficulté, vous suivez les instructions, après ce sera 2 ms dans la même, puis dans les deux suivantes, 1 ms. Voilà, on se retrouve quand l'oreille est finie, il n'y a pas de difficulté particulière et on va faire après l'intérieur de l'oreille. Alors voilà, j'ai fini mon oreille, je fais ma maille coulée, j'ai coupé mon fil assez long de manière à ce que je puisse coudre l'oreille. Hop, le fil de démarrage, je l'ai bien serré et j'ai fait un triple nœud pour pas que ça bouge. Et je la plie en deux et c'est comme ça que je vais la coudre après sur le charme. Donc, on a fait nos deux oreilles. Maintenant, je vais vous montrer comment on fait l'intérieur de l'oreille. On prend son fil rose. Ah, j'ai un nœud dans mon fil. Hop. Alors, son fil rose, on va prendre, on va faire. Alors ils disent une simple boucle, moi j'ai tellement l'habitude de faire ça, je fais ma boucle habituelle, ça change pas grand chose de toute façon. Et on va faire 16, non pardon, 16, 12, 12 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Alors, j'ai un nœud sur ma pelote qui est pourtant pas grosse, mais un nœud qui s'est formé. Voilà. Alors, j'ai ma chaînette de 12 mailles en l'air. Je vais repartir dans l'autre sens et je vais commencer dans, pas dans celle-là, mais dans celle-là de mailles. OK? Et je vais faire 4 demi-brides en partant du crochet. Donc demi-bride, vous pouvez reprendre les tutos que j'ai fait avec de la laine épaisse, on voit mieux. Donc on fait un jeté, on va piquer dans notre deuxième maille en partant du crochet. On fait jeté, on sort et demi-bride, on va passer tout d'un seul coup. Nos trois, voilà, nos trois mailles d'un seul coup. Donc, ils nous disent combien? 4 demi-brides. Donc, j'en ai fait une. Deuxième, je pique dans la maille d'après en ayant fait mon jeté. Jeté, je ramène. Jeté, je passe les trois. Hop, deux. Je fais ma troisième. Je pique. Hop, jeté. Je ramène. Et il m'en faut une quatrième. Je pique. Je ramène. Hop, donc j'ai fait mes 4 demi-brides. Après, ils disent une demi-bride, une bride, une demi-bride. Ça veut dire qu'on va faire tout ça dans la même maille, parce que c'est entre deux virgules. Donc, une demi-bride
Dans la maille suivante, je fais ma demi-bride. Hop, hop, je passe dans mes trois. Et là, une bride. Donc, jeter, on pique, jeter, on sort. Et là, on va passer deux par deux. Jeter, j'en passe deux. Jeter, j'en passe deux. Et de nouveau, une demi-bride. Donc, jeter, toujours dans la même maille, hein. Jeter, je sors. Jeter, je passe. Et voilà. Et maintenant, de nouveau, quatre demi-brides. Donc, on reprend. Dans la prochaine, j'en fais une. Dans les quatre prochaines, en fait, je vais en faire une. Hein. Donc, demi-bride, on passe tous les trois d'un seul coup. Deux. Trois. Hop. Et 4. Et voilà. Et du coup, 4 demi-brides, ce qui fait 8, 9. Donc, je ne sais pas pourquoi ils nous ont fait faire autant de mailles. Il nous reste 2 mailles en l'air. Je vois pas l'intérêt de nous avoir fait. Il aurait mieux valu faire 10 ml plutôt que 12. Bon, c'est pas très grave. Ça se verra pas à la fin de toute façon, mais je vois pas trop l'intérêt. Je pense que si pour l'autre, je ferai que 10 ml parce que là, vous voyez, on a ça qui reste. Hein, donc, je vois pas trop l'intérêt. Donc, en fait, on va couper. On laisse suffisamment de fil parce que c'est ce qui va nous servir à coudre à l'intérieur de l'oreille. Hop là. Donc je vais vous montrer ce que ça va donner quand on fera le montage. On sera comme ça. Hop, on va joindre les deux et ça fera quelque chose comme ça. Donc ça, c'est pas grave, on le cachera par ici. Ça se verra pas, nos deux mailles qui restent. Mais du coup, sur la deuxième, le deuxième intérieur d'oreille, je ferai que 10 ml au lieu de 12. Je vois pas trop l'intérêt d'en avoir 12. Voilà. Allez, vous faites le deuxième. Et on se retrouve pour les yeux. Donc à présent, on fait l'œil, on fait notre boucle de montage. Vous commencez à être experte en boucle de montage. Hop, deux mailles en l'air. Un et deux. Et à présent, six mailles serrées dans notre boucle. Donc on pique là et on fait nos six mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On place, on stop, on serre, hop, je place mon stop. Et après, deux mailles serrées dans chaque maille serrée. Et après 2 MS, 1 MS, donc 2, 1, 2, 1. On se retrouve pour vous montrer qu'est-ce qui se passe quand on passe au quatrième rang et qu'il faut piquer dans les boucles arrière. Allez, je vous retrouve au quatrième rang. Donc voilà, j'ai fini mon troisième rang, j'arrive au quatrième rang. Donc j'espère que vous allez quand même voir, même si c'est noir, c'est pas évident. Donc, il faut piquer que dans les boucles arrière. Donc, boucle arrière. D'habitude, on pique sous les deux brins. Là, je vais piquer que sur le brin arrière. Vous voyez, je vais prendre que le brin arrière. Hop, je prends le brin arrière et je vais faire une maille coulée, c'est-à-dire je vais sortir ma maille. Ok, on recommence. Je pique que dans le brin arrière. Je pique pas sous mes deux brins. Je prends que le brin arrière. Je fais mon jeté et je ferme. Je ne fais que des mailles coulées sur tout le rang. Ok, on se retrouve pour le changement de couleur au rang d'après. Donc là, j'ai fini mon quatrième rang. Je vais couper, pas trop long. Hop, je vais mettre de côté. Je ferai un nœud à la fin tout à l'heure. Je vais prendre ma laine verte. Pour ma laine verte, donc, ils nous disent
Piquer que dans les boucles arrière, faire une maille en l'air et 5 ms et après double ms. Alors, le problème, j'ai fait ça sur le renard et le panda et ça me plaît pas, c'est extrêmement bombé, je n'aime pas les yeux bombés. Si vous voulez des yeux très bombés, donc vous suivez les consignes. Si vous voulez des yeux un peu plus plats, donc là, on a quand même le bombé du noir, mais on a quand même plus plat autour. Vous pouvez suivre du coup ce que je vais faire. Donc moi, je ne vais pas piquer dans la boucle arrière, je vais piquer dessous. Alors, quand on a fait des mailles coulées avant, du coup, c'est un petit peu... voilà, la maille est un peu inclinée en avant, vous voyez. Donc il faut bien prendre les deux brins. On reprend les deux brins et on va faire sa maille. Serré. Cette fois-ci, on fait pas des mailles coulées. On fait des mailles serrées. Et moi, je vais faire, du coup, au lieu de faire 5 ms et double ms, je vais faire 4 ms. Donc 1, 2. Comme ça, on n'a pas cet effet bombé qui est ultra moche, je trouve, sur mon renard et mon panda. Vous pouvez regarder, j'ai carrément refait les yeux tellement c'était moche. 3 et 4. Et après, ah, j'ai pris un bout de noir. 4. Et après, double maille serrée. On voit vraiment pas bien. Pas que je pique dans la même. Hein? Ah, j'ai repris un bout de noir. Ça va pas, ça. C'est pas évident de crocheter après des mailles coulées. Hein? Et je fais ma double dans la même. Je fais ma deuxième. 2. Voilà, donc tout le rang, je vais faire 4, 2, 4, puis 2. Et le rang d'après, du coup, je vais faire 5, puis 2. Là, j'ai fait 5 puis 2. Voilà, j'avais fait 5 puis 2 pour avoir quelque chose de plat au niveau du verre. Parce que sinon, on a quelque chose, si on fait ce qu'il donne, il est complètement bombé. Et je trouve ça moche. En revanche, j'avais bien fait des mailles coulées hein, sur le rang d'après. Donc là, 4, 2, 4, 2. Et rang d'après, 5, 2, 5, 2 en mailles coulées. Voilà, on se retrouve quand on a terminé. Voilà, donc là j'ai terminé mon deuxième œil en faisant des mailles coulées sur la fin. Donc dernier rang, je vous ai dit ce que j'ai fait 5 et 2, 5 et 2 à chaque fois. Donc une maille serrée dans les 5 mailles serrées suivantes et après double maille serrée. Donc voilà le résultat quand on fait des mailles coulées. Je voulais vous montrer la différence quand on choisit de faire des mailles serrées. Vous voyez, c'est un peu plus large quand on fait des mailles serrées. Dans leur modèle E, c'est mailles coulées. Donc après, vous voyez si vous voulez un bord plus ou moins large, ce que vous préférez. Et donc, si vous voulez quelque chose de très bombé, qui va faire vraiment un œil très globuleux, vous faites exactement les instructions, c'est-à-dire que vous faites pas, vous suivez pas ce que j'ai dit moi, mais plutôt leur tuto à eux. Voilà. Donc on a fait nos yeux, on a fait nos oreilles, on a fait notre intérieur d'oreille, nos intérieurs d'oreille, on a fait notre museau, on a fini notre corps. Donc dans la prochaine vidéo, on verra ce qu'ils appellent le chanfrein du chat et le montage de la tête. À bientôt.